Ah bon? Free TV caprice. Et à boss, Jérusalem, Motema, Margela, Margela, Manuela, Awande, Banyuzaya Solo, Ba papa na ba mama tokende, bota la chaîne na bisoyo. Bisonya sona Free TV. Awande ba samoya solo. Bisonya sona Free TV. Toto beleni. Bisonya sona Free TV. Free TV caprice. Et à boss, Jérusalem. Motema, Margela, Margela, Manuela, Awande, Banyuze ya solo, Ba papa na ba mama tokende, Bota la chaîne na bisoyo. Bisonya sona Free TV. Awande ba samo ya solo. Bisonya sona Free TV. Tokende ya ba mwaya kome ya mwana ya. Naina yonto kukufa ilongo. Naina yonto sani mpoto na lakumande. Salut chers internautes, salutations à tous mes abonnés. Je sais que vous êtes déjà nombreux devant vos petits écrans pour suivre Jerison sur Free TV Caprice. Salutations également à toi, Nanswawina Siloi, Fifi la douceur Bundesliga, Mama Sociale, Mireille Soumarou Gargovia, de longues jambes, Bébé Rachi, Rachi Kila, de lèvres sensuelles. Adi Bio, Adi Yando, petite sœur propre. Paola de Zurich, ma fille, taille acoustique, maman à Kélian. Oui, frère, ce que vous avez surnom, tu as la signification, il y a surnom aux autres. Pour le bien combattre, oh, bah, lokanga, oh, bah, zo combattre, ngai, oh, boye na boye. Bah, combo, bah, parent, bah, pesa biso. Et ton d'abisoté, tout le calicolo n'a pas de soumis sur nous. Mais, t'as la ka sur nous, oza ko dzoa. Oza sur nous, moko boye, oza loko la Satan, oza loko la ennemi, oza loko la donc malfaiteur. Allez, l'homme, ben, oule la ko, voilà, bazo combattre n'aille. Fali se surnommé aigle par connaissance de cause. Il voit très loin et trop loin. Parlons du concert du stade Massamba Déba. Fali savait très bien que le concert était menacé par les jaloux et les traîtres. Mais comme il n'est pas du genre à pleurnicher, il se disait advienne que pourra.
avec les gens qui seront au stade, il suffit d'attendre un bon nombre de gens. Il va jouer son concert. Écoutons ensemble cet extrait de Fally Ipupa lors de sa conférence de presse à Brazzaville, avant l'événement. Suivons. Bien prester et puis de remplir quoi. Moi, je ne vais pas venir en mode non, il y a un stade parce que il y a un bête à caca. Sinon, il faut un bête dans la boîte. Il faut un bête dans le terrain. Il y a un terrain pesé à la radio. Ceux qui ont un bête dans le stade, mais il y a 20 000 places, il faut au moins aller à la moitié. Mais, c'est-à-dire que si on a l'église la moitié, on a l'église la moitié, on a l'église la moitié, on a l'église la moitié. Mais non, mais on a l'église la moitié. Dans les cas, il y a deux personnes. Sinon, il faut mettre à ma place, il est approprié pour deux personnes. Donc, à un moment donné, tu vois, Kosa les cas. Donc, le gars, dans le stade, il faut que le gars, c'est moi, débat, capacité, on a combien 33 000 personnes. Bon, il faut que au moins 20 000 personnes, bas à la rana. Au moins. Dans le cas, on a un stade, il y a 500 personnes. Moi, dans ces cas, il faut que je suis chez Viemrobo, à Tchenga Salnetobiti. Donc mon objectif, c'est d'abord prester, chanter toutes mes chansons, danser, faire plaisir à mes fanatiques, et puis voir du monde quand même, hein, essayer de remplir ces stades. Tu vois, le retournement, tu vois. Hein, voilà. Stade Massamba Déba est compté à 33 000 personnes. Fallait estimer ceux qui ont dit 20 000 personnes. Pour Naïs, c'est déjà bon. C'est très bien. Et vous avez vu. Bon, Ponanga, en toute franchise, dans 4 stades Massamba Déba, lors de son concert, il y a eu au moins 32 800 personnes. À peu près 32 800 personnes. Donc, malgré le boycottage organisé par un certain Roga Roga, le stade a vomi la foule. Et c'est pareil lors du concert du 28 février 2020, si je ne me trompe pas la date, à Paris. Bercy Accord Arena. Quand les soi-disant combattants empêchaient les gens d'accéder au concert. Mais Fally a fait plein comme pas possible. On va aller là. Il faut affronter les obstacles. Flor Eyamba, conseiller, il y a bien aïe. Flor de Zurich. Rodo Rodrigue de Zurich. Toujours sapé comme jamais. Christian Vemba, les garçons propres. Hein? Il y a El Chante, Chantal Vemba. Didier Rowe, Didier Yoka. Il y a Joël Poba, Batula Ber. Otali Mwasio Kumisi Nzambi. Tony Nomozinho, garde-robe de Zurich. Il y a Mama Chalamama Mavinga. Big Gantsumbu, Libanais de Bienne. Jean Toko, Shaba Abedachou. Et pour ta tête, frérot, fais un tour à Zurich, chez Flori. Salon de coiffure homme. Passage obligé. Eh, jeune homme, fournir le biso, ba preuve, ou ezo la sake, yoza combattu. Ou so beta concert, et que li banda, ba zo beta batu, pe ba tumi ba mituka. Jeune homme, ou so beta concert, et que les agents de l'ordre, ou yo bazali sensé, yako sécurité, pe ko koti sa batu, mais ba zo beta, pe ko bengana batu, po ba kotati. Jeune homme, au Kaleba date Yomoko, après au Betty concerté, au lobby va combattre. Sur 365 jours, au Betty a 3 concerts, au lobby va combattre. Yomoko, qui est le français à ma B, va combattre. Jeune homme, tu n'es pas combattu parce que Ozan a bel poisson. Mais Papa Wemba Azala n'a belle voix, jamais combattu et jamais égalé. Ah, jeune homme. Au Salini, la musique congolaise, pour combattre. Au Salatan, la mérite, moko considérable, te, nan obeta stade, moko te. C'est pourquoi na zongi les sous pour vous dire que, vouloir ou pas, Fally, c'est le number one. Seul contre tous, à Trouvasol. Mais c'est la matière qui nourrit les youtubeurs et les journalistes. Kakaye mon numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, tine, numéro 20. Bon, Gabino Mourouna numéro 21. Voilà. Combat yangoyo. On a besoin de combattre. On a besoin de combattre. Et nanani. Ozala ba preuve.
Oyo na sikoyo kombata oyo na ba preuve. Tala ba preuve yango oyo. Bola na oyo oyo boko comprendre à quel niveau fallait il pour pas être combattu. Et puis le gars ne pleurniche pas. À mon avis normal. Il continue de tailler son chemin. À ce continue de évoluer. Moi dans mon bal elle l'a raté. Bola na voice oyo boko comprendre. Check. Bonjour Borokis, comme c'est tout ton frère Arnaud depuis Porte Noire. J'espère que tu te portes merveilleusement bien avec ta petite famille et surtout les nouveaux-nés. Je voulais juste laisser ces voix pour te féliciter un peu sur le point Massama Débat. La dernière fois, j'ai pris le live en cours, mais je n'ai pas pu intervenir parce qu'il y avait beaucoup d'appels. Tu me remarqueras que j'avais mis plusieurs fois et les appels, mais tu n'avais pas décroché parce que tu étais un peu dépassé par les autres. Donc bref, je voulais t'apporter un peu un éclaircissement sur le concept de Massamba Débat. Il y avait une boycott, il y avait une stratégie pour empêcher Fanny de faire un stade comble. Parce que déjà, ce concert annonçait un plein énorme. Or, la stratégie, c'était celle-là. J'ai un petit policier, lieutenant de la police. Il était en formation au Cameroun, il est rentré, ça fait 4 ans, il est à la police. C'est un sapeur-pompier. Il était dans l'organisation. Il a assisté aux réunions et tout. Il m'explique, hier, il était ici à Pointe-Noire. Il m'explique ceci, que le concert de Fanny tel que c'est passé, sans ça va. C'est seulement Fanny quoi. Il est tellement aimé à Brazza, c'est l'artiste le plus aimé, le plus écouté de Brazzaville, plus que Roga. C'est-à-dire Fanny et Roga au Congo, il n'y a pas match. Ça c'est vrai. Et Roga le sait. Mais Roga et son clan sont partis implorer la miséricorde et la grâce de J2O. J2O, c'est le conseiller spécial de Sassou, du président Sassou. C'est même son neveu, c'est son conseiller. C'est l'homme fort. Après Sassou, Congo, c'est J2O. Je pense que tu as vécu à Brazzaville. Tu as vécu au Congo, tu dois connaître Jean-Dominique Okema, que Roga dédicace souvent Mohamed Zambé. C'est son gars. Donc, il est parti nous voir. Si tu vas te rendre compte que Roga a traîné à Brazzaville pendant toute cette période, à la veille du conseil, Roga et s'est précipité de quitter le terrain. Parce que déjà, ils avaient eu gain de cause. Or, la stratégie, c'était laquelle? C'était que la police a décidé de ralentir la fouille. De ralentir la fouille afin que les personnes, les gens rentrent très tardivement au stade et empêcher une grande partie d'y accéder. Que dès qu'ils vont se rendre compte que l'heure est avancée, ils laisseront l'entrée un peu facile pour permettre et fatiguer les autres parce que les gens étaient déjà là très tôt. Mon petit m'a dit, quand Robert est parti les dire et J2 a donné l'ordre à Ndengue qui était un petit à J2, c'est-à-dire un proche de J2, un ami. Tu connais comment ça fonctionne notre politique, il y a des clans de clans, Ndengue dans le clan de J2, nous ici nous connaissons. Et puis, Ndengue c'est aussi un pire écran à Roga. Ndengue c'est le directeur général de la police. Donc les consignes étaient tellement strictes pour qu'on empêche les gens d'y accéder facilement au stade, sinon ça serait un comble et tout. Donc là où les familles sont là, les Roméo Lio et tout, ils savent ce qui s'est passé. Mais comme on ne peut pas se lancer en guerre contre les autorités, or c'était un coup monté par Roga. Tu vas te rendre compte que quand Roga arrive en France, avant, Roga a tenu un discours bon. Mais dès qu'ils ont eu gain de cause, que vraiment, on ne va pas laisser Fanny faire le comble, parce que bien qu'il ait le plus grand ici, mais on doit quand même empêcher cela. Aussitôt, Roga place une date. Or, tu vas comprendre, quand Roga place la date, à quelques jours, je pense, 4 jours avant le concert, c'était ça, 3 jours comme ça avant le concert, c'est là où Roga fait le discours de dire « Tamasamba ». Tout petit camarade est tourné en haut, bah tiens la bouche, pas que le Namo, jamais. Tu comprends? Parce que Roga,
a été sûr et certain que Ndengue ne la confirme jamais. Les policiers vont créer un truc si, jusqu'à ce que si les gens sont têtus, ils vont créer un meute pour empêcher les gens, afin de chasser les gens. C'est-à-dire comme du genre, si ça persiste, on crée un scandale. Et puis on chasse les gens, on tire les lacrymogènes, comme ça les femmes qui sont encore libres, parce qu'il y avait vraiment un dispositif de sécurité énorme. Donc ils devaient tirer les lacrymogènes comme ça. Ceux qui sont loin, qui devaient avancer, devaient fuir et repartir à la maison. Tu vois, ils devaient avoir peur. Et puis le reste devait rentrer au point du stade, ne serait pas totalement rempli. Et c'était ça la satisfaction. Donc on regarde jouer à l'hypocrisie. Voilà un peu ce qui s'est passé. Ça, c'est les sources sûres. C'est mon petit lieutenant, il m'a détaillé les faits. Il dit, bon, nous ne pouvons rien faire. Comme tu sais, les regards, la jalousie, elle est tombée dans cette facilité que tous les artistes congolais, aujourd'hui, le font. Ils veulent voir Fally échouer. Roga est proche de Fally. Il a eu la pression du public. Il a cédé aussi. Et voilà qu'il place une date. Il dit qu'on ne peut pas remplir Massamba Déba. C'est pas que c'était des fétiches. Si tu vois les images, je pense que toi, tu as des gens sur place qui t'ont dit que même le petit m'a dit, ce stade-là, logiquement, si on l'avait ouvert à 10h, dès 15h, ce stade serait totalement comble, comme Kinshasa, parce que le dispositif sécuritaire a empêché, mais les gens étaient énormes. Et comme à Brazzaville, c'est plus vers les après-midi que les gens se libèrent d'autres travail jusqu'à 12h et tout. Et ceux qui vont au marché, ils viennent plus vers les 15h. Or, les gens qui venaient du marché, qui travaillent, qui vont dehors et tout, ils venaient en nombre. Mais beaucoup sont repartis. Voilà un peu la logique de ce qui s'est passé à Brazzaville. Fally, en faisant ce qu'il a fait, c'est parce que, bon, tout ça, c'est, on ne peut pas en douter, hein, c'est le plus grand de l'histoire. Et puis ici, chez nous, c'est Fally. Il n'y a pas un artiste qui peut placer deux chants comme ça de suite dans une boîte au Congo. Fally. Mais voilà, quoi. C'est ce que j'ai eu comme. Et tout ça, c'est une source proche, c'est-à-dire un policier du renom. Bon, c'est. Alors, Boulandi Audio, au moins du combat, Yangwana. A tourner regard nangai vers ba warrior. Ba warrior a brasa bo la seki détermination na bino. Si ko question nangai yangoyo. Devant une telle situation, position na bino ezanini. Les warriors, les guerriers de Congo Brasa. Les guerriers de Fally Ipupa. Après koyoka voice ya ndeko congolais ya Brasa, roga roga. Stratégie naïe. Et la stratégie a été appliquée. Bandeke belé, balelaki, ba kota ki concerté. Ba zonga ki naba bien na bango. Parce que stratégie, ya roga roga et simbaki. Malheureusement, stade zalekaka plein. Alors, roga roga azana concert le 24 juin. Face à ce concert, akobeta na Massamba Déba. Ba warrior ya Fally Ipupa na kata Brazza. Bolobi nini. Bo tire conclusion. Ba warrior ya kata Kin. Bolobi nini. Traverse Zali le 24 juin. To traverse Zati. Alors. Donc, bo tire stratégie. Je crois que le 24 juin. Warrior ne se tue donc on a assez à pousser Ponya ba bébé. Que personne ne bouge. Donc on est allé mot d'ordre. Y'a battu à l'ingra Fally Ipupa. Donc voilà. Y'a contesté et zaté. Ce que l'on qui m'a kambou, on doit m'a kambou.